Bonjour à toutes et à tous. Afin d'illustrer notre article, nous vous proposons une courte vidéo montrant l'évolution clinique d'une de nos patientes, Madame M, qui a pu bénéficier de soins de psychomotricité ainsi que de soins de kinésithérapie afin de lutter contre son syndrome de désadaptation psychomotrice. Cette prise en charge faisait partie du travail de fin d'études de Marie Bichard, psychomotricienne, au sein de l'Institut Ilia Prigogine. La patiente, Madame M, 90 ans, était une ancienne enseignante qui avait eu une vie active au niveau familial et professionnel et qui était encore autonome jusqu'au moment de sa chute. Elle présentait un MMSE supérieur à 18 sur 30 et son syndrome de désadaptation psychomotrice se caractérisait par une rétropulsion sévère, comme nous pouvons le voir déjà dans l'illustration, une phobie à la verticalisation, le fait d'agripper tout ce qui l'entourait, ainsi qu'une impossibilité de se lever de son lit et de son fauteuil. Durant son hospitalisation, Madame M a pu bénéficier de 20 séances de kinésithérapie pour la réadaptation de sa marche et de son équilibre. Au préalable, elle bénéficiait également de prises en charge psychocorporelles par notre psychomotricienne afin de lutter contre son anxiété majeure. Je laisse place maintenant aux images de sa progression. C'est bien, vous faites ça tout seul, on ne vous porte pas là. Hein. Vous marchez tout seul. C'est très bien, Madame Monnier, c'est super. Merci, Madame Monnier, tranquille. Ouais, c'est vrai. Et on se met debout. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Non. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai peur. Chez moi, c'est comme ça, Et on pousse dans les jambes. Voilà, debout toute seule. Et on est parti. En route toutes. Allez, un bon déroulement du pas. Hein. C'est très bien. Super. C'est des beaux pas, ça. Allez, on continue. On s'arrête pas. C'est très bien, Madame Antoine. Mais bien mettre les pieds en dehors de la plaque. Et tu mets tes pieds au milieu. Ah. Très bien. Voilà. Et là, vous venez vers moi, Madame Monnier. Je suis pas dans le chemin. Non, non, ça va, ça va. Bonne promenade. Elle part avec un jeune garçon. Elle ose, hein. Ouais, j'essaie de m'échapper, hein, mais elle me rattrape. Allez, Madame Monnier, vous venez vers moi à droite. On dirige bien le rollator. Très bien. Allez, c'est une petite pente, ça monte, hop, attention, ça descend. Oh, allez, facile, les doigts dans le nez. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des interrogations.